Je m'appelle Marie-Elisabeth et je suis la fondatrice de Get It Out et membre active de Street Bush. Alors Get It Out, en fait, c'est dans un premier temps un blog sur les sorties et la gastronomie à Strasbourg. Et étant mulhousienne et orinoise fière de l'être, j'ai décidé d'ouvrir l'année dernière à Mulhouse. Street Bush est une association strasbourgeoise qui organise des street food festivals. Alors qu'est-ce que c'est un street food festival? C'est un événement autour de la street food, donc manger bien, manger vite et découvrir des cultures du monde. On a choisi de porter le projet à Mulhouse parce qu'on voit aujourd'hui que c'est une ville multiculturelle qui offre différents choix en termes de gastronomie, aussi bien de la cuisine antillaise que de la cuisine alsacienne aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer la diversité culturelle au niveau de la food à Mulhouse. Ma dernière sortie à Mulhouse, c'était au Chili Thai, donc un restaurant thaï qui vient d'ouvrir il n'y a pas si longtemps, à deux pas de Place de la Réunion, et un beau coup de cœur. Alors, mon spot préféré pour chiller à Mulhouse avec mes amis, c'est vraiment le temps d'une pause. J'ai un vrai rêve pour Mulhouse, ouais, c'est vraiment ouvrir un food court à Mulhouse. Ça serait vraiment un street bush, mais en permanent en fait, avec plein de cultures qui seraient représentées et on pourrait y avoir une programmation artistique et vraiment de la street food en continu dans un lieu fixe. Alors, une bonne adresse à Mulhouse, il y en a plein, mais je pense que tout le monde sera d'accord que Plume Rôtisserie est une très bonne adresse. Compliqué quand même. Mon événement préféré pour le moment, c'était Scène de rue, mais maintenant c'est Street Bush. Le prochain rendez-vous des Mulhousiens, ça sera bien sûr le 7 juillet, le Street Bush Corner, de nouveau Place de la Réunion, à 11h30, et on vous réserve des belles surprises gustatives.